Bonjour, je fais cette petite vidéo parce que aujourd'hui j'ai envie de m'adresser aux femmes. J'ai envie un petit peu de faire un petit coup de gueule, voilà, et tout simplement de sortir ce que j'ai à dire parce que j'en ai marre. Si vous êtes dans le marketing de réseau, si vous êtes dans le marketing digital, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes une femme, lancez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Et je suis la première à devoir appliquer ce conseil, mais vraiment, j'en ai marre de voir que des hommes au sommet. Il n'y a pas de femmes qui sont là pour justement amener une nouvelle énergie, pour pouvoir mener, pour pouvoir ouvrir la voie. J'en vois très très peu. Alors, il y en a de plus en plus, bien sûr. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer un défi, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous en avez marre de votre boulot, peu importe, mais que vous avez un projet, que vous avez une mission de vie pour aider les autres, pour aider la planète, allez-y, c'est vraiment le moment ou jamais. On est vraiment dans une période incertaine, on ne sait absolument pas ce que demain sera fait. Donc c'est vraiment urgent aujourd'hui, la planète, le monde a besoin de vous. Vous les femmes qui êtes peut-être en retrait, qui avez peur, moi j'ai des croyances limitantes, j'ai ce foutu syndrome de l'imposteur où j'ai l'impression de ne jamais être assez bien, où j'ai l'impression voilà, que ce que je fais ça vaut pas la peine, que ça n'a pas de valeur, etc. Mais non, ce que je fais a la valeur et ce que vous faites a de la valeur. Et j'ai vraiment envie qu'on sorte de ces schémas classiques. Voilà, on est en 2020, on proclame haut et fort comme quoi il faut que les hommes et les femmes soient égaux, etc. Alors, à nous aussi de prendre notre place. Enfin, je veux dire, ça va pas se faire tout seul. C'est pas en restant voilà, dans notre petit confort et dans notre petite vie, voilà, avec nos peurs, avec ces croyances qui nous limitent. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et j'ai vraiment envie que les femmes montrent au monde tout ce qu'elles sont capables de faire, toute la puissance qu'il y a en elles, et de montrer aussi qu'on peut être vulnérable. On n'est pas parfaite, personne n'est parfait. Les femmes, encore plus, elles sont très émotives, ça, voilà, on le sait. On a des hauts et des bas, on peut paraître vraiment de ne pas savoir ce qu'on fait, mais en fait, quand on suit sa boussole intérieure, quand on suit son cœur et quand on y va et qu'on affronte ses peurs et qu'on arrête voilà, d'écouter ces petites voix-là qui nous disent « oui, mais et si ça, et si ça se passe pas bien, etc. » Ben, comment savoir si ça va bien se passer ? Tout simplement en y allant et en testant. Donc, voilà un petit peu mon message. Ce message s'adresse aussi à moi-même, voilà, parce que je parle d'expérience. Ah, depuis toutes ces années que j'ai envie d'entreprendre, donc je suis entrepreneuse depuis 2017, mais je galère, voilà, tout simplement parce que j'accepte pas d'y aller et, disons, d'affronter un petit peu toutes ces peurs. J'en ai une qui s'impatiente un petit peu. Bon, elle commence vraiment à s'impatienter. Alors, je vais faire court ici. Il va falloir que je regarde moi-même cette vidéo pour pouvoir me motiver. Là, je suis dans une bonne énergie. C'est pas tout le temps le cas parce que, voilà, on a des énergies qui fluctuent en tant que femme. Mais voilà, si ce message t'a parlé, si ce message... Voilà, si t'es tombé sur cette vidéo, même par hasard, et que ça te parle, prends ce qu'il y a à prendre. Et vraiment, je sais pas quoi dire de plus, mais juste, vas-y, ose. Ose, parce que c'est en faisant qu'on apprend, et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de démarrer une nouvelle activité. Je n'ai pas des années d'expérience. Je fais comme je peux avec ma fille, mais je me lance et je fais les choses. Et j'ai envie... que voilà, de par mon expérience, même si je me plante, même si je me foire, au moins de montrer que on y va quoi, on y va. Bref, voilà, vous avez compris le message.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, contactez-moi sur Telegram. Être sans parade, vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram. Je suis un petit peu moins active là parce que je fais plein de choses. Mais voilà, ça me tient toujours autant à cœur de pouvoir aider les femmes de par mon expérience. Allez, on se dit à bientôt. Ciao !